gotta be our loaves. Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis à toutes aussi parce que je suis sûr qu'il y a aussi des filles qui adorent Goldorak parce que c'est vrai que ça a béni notre enfance. Et pas plus tard que l'autre jour, on faisait une émission en radio. Une fille, une voisine de l'époque m'a dit qu'elle adorait cette série. Donc j'espère qu'il y a des filles qui vont nous suivre, ou les femmes évidemment. Donc ici, vous voyez que j'ai mis un petit setup de Goldorak. C'est un peu fait partie de ma collection personnelle que j'ai. Je n'ai pas tout étalé, mais pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. C'est une émission qui va être dédiée aux épisodes 3 et 4 de la série Grandfather You, hein, comme vous avez déjà vu pour l'épisode 1 qu'on avait fait avec Niné. Et pour cette occasion, j'ai l'honneur et le privilège de vous dire que on ne sera pas seul, on ne sera pas deux, mais cette fois, on sera trois. Et j'ai deux experts avec moi. Moi, je ne me considère pas comme expert, je me considère plus pour quelqu'un qui adore cette série. Mais voilà, j'ai encore des carences, je dois revoir l'ancienne série, etc. Mais j'ai toujours adoré Goldorak, comme vous le savez. Et aujourd'hui, j'accueille donc Néné, comme vous l'avez vu la dernière fois. Bien seulement mon Néné. Et puis Steph aussi, vous connaissez, parce qu'il nous a fait toutes les émissions au Japon, hein, quand il est allé en 2018 faire un petit peu l'exploration de tous ses magasins au Japon. C'était quelque chose de génial, dont une vidéo, d'ailleurs une qui a le plus marché sur la chaîne, de le magasin de Goldorak qui est à côté du Potatoes. Alors sans plus attendre, je vous les appelle. Allez, c'est parti, venez là! Comme je vous disais, par un tour de passe-passe, voici Steph ici à droite et Néné à gauche. Hein, vous connaissez, vous avez déjà vu sur la chaîne. Je suis trop content de les avoir avec moi parce que c'est vraiment non seulement des fans inconditionnels qui connaissent beaucoup, mais on peut appeler, n'ayons pas peur des mots, des experts en la matière. En tout cas, moi, quand ils me parlent, je sens qu'il y a vraiment un puits de connaissances dans chacun d'eux. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler, donc, vous êtes d'accord, les gars, de l'épisode 3 et 4, vu qu'on a déjà débriefé avec Néné sur l'épisode 1 et 2. Hein. Et après, je pense qu'on parlera aussi peut-être un peu des produits dérivés qui sont là à côté d'eux. Mais commençons par le début. Non, peut-être pas le début, mais par l'épisode 3, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui c'est qui veut commencer? Vas-y. Allez, honneur au plus âgé. On va commencer bien. 3 secondes et demie quand même pour se présenter. Effectivement, parce que Yvan est toujours très rapide, très synthétique. Allez, au but tout de suite. Mais on a le temps. C'est l'été, il fait chaud. T'as raison. Ce soir, on travaille pas tout de suite, donc du coup, il y a le temps. Ben moi, je vous présente Néné, comme certains le connaissent. J'ai eu vraiment le temps de pouvoir discuter avec ce soir avec lui. T'as apprécié ses compétences et puis ses connaissances sur Goldorak qui permet de combler aussi certaines de mes lacunes ou confirmer les hypothèses que je m'étais fait sur certaines choses. Donc, et puis le lien qu'il a particulièrement avec Gundam, ce qui permet vraiment de faire le lien avec Grandfather You actuellement. Et c'est vraiment un plaisir, d'autant plus que moi je suis à moitié espagnol et moitié valaisan, donc vous imaginez le mixte. Et lui, il est en plus aussi espagnol, mais il maîtrise la langue espagnole, ce qui veut dire c'est qu'il a une connaissance sur les robots japonais qui ont été diffusés en Espagne, avec une plus grande palette que la culture francophone que j'ai moi, et sans doute vous aussi, à travers les diffusions qui ont pu être faites depuis 1978, à travers Recréa 2 avec le premier épisode justement de cet été-là où il faisait particulièrement pluvieux au mois de juillet et que les programmateurs espéraient passer cet épisode de Goldorak et que ça s'arrête là vu que c'est un épisode, une série tellement violente et agressive qu'aurait fini traumatisante pour des personnes comme nous. C'est peut-être la Genie, ils n'ont peut-être pas tort. Cependant, cependant, voici la genèse de Goldorak sur cet été-là. Ça a marqué notre enfance. Nous voilà 40 ans plus tard chez Univers Vintage dans son local avec des produits dérivés de Goldorak pour faire le lien avec Néné et un petit peu avec mes connaissances. Donc on va démarrer assez rapidement. Le but est un patchwork de pouvoir vous parler un petit peu ça, que vous preniez du plaisir, de vous envoyer des informations et puis détendez-vous.
une petite bière, pas de petite bière, un petit verre d'eau. C'est parti. 1978, premier épisode de Goldorak. Et maintenant, Grandizer. Reboot? Remake? Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu des deux, on peut un dire. Un petit peu des deux. Bon, ça prend ses racines et ça s'inspire un petit peu autant du manga que de l'anime. On l'a surtout senti la semaine passée avec l'épisode 4. Particulièrement, ouais. On va peut-être survoler l'épisode 3, qui après un épisode 1 et 2 qui était fort en action, ça allait très vite. L'épisode 3 était un peu plus lent. On découvre le centre en fait de Kabuto, le père ou le grand-père de Koji, si je crois bien. Et puis Goldorak va s'insérer dans la passerelle de décollage du Mazinger Z. Un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, mais il est où le centre de pression? C'est ça, c'est ça. Il est où la façon de courir dans ce couloir? Voilà, le couloir, il est où? À l'abri. Par contre, on quitte enfin les pays arabes. Exactement. Pour se rejoindre au Japon. Direct. Là où justement ben, le Goldorak atterrit et puis se retrouve sur une île excentrée de Tokyo. Mm-hmm. L'introduction d'Ikaru, donc Venezia, avec Venezia. Ce personnage un petit peu mystique, un peu qui essaie de détecter la personnalité des gens, tels que est-ce que tu es une bonne ou une mauvaise personne, mm-hmm. ce qu'elle demande à Actarus pour pouvoir le situer. Et là, on rentre directement. Ben, ce qui va vraiment exploiter Araki, c'est le traumatisme d'Actarus, les états émotionnels, la culpabilité d'avoir potentiellement abandonné les siens, avoir participé à la destruction de sa planète, et puis ben, les mésinformations qu'Actarus a, et qu'on va découvrir durant tous ces épisodes, qu'au final, ben, y a des personnages qui se rentrent, et qu'au final, les informations données et connues d'Actarus, et ben, au final, elles évoluent plutôt positivement, toujours avec un sentiment de mélancolie, et ça, je trouve, propre à Araki, qu'on peut retrouver déjà dans son graphisme, qu'on retrouve aussi dans d'autres personnages comme Lady Oscar, ouais, Saint Oseia, ou bien Ulysse 31, effectivement. Et pour ma part, je ne sais pas pour toi, on va faire le lien aussi avec l'épisode 3, mais quand on revient d'avoir vu cet épisode 4 pour la deuxième fois ce soir, pour moi, ça me marque. La patte d'Araki est présente, même si c'est un autre dessinateur que je ne connais pas, en tout cas pas à cet instant-là. Cet épisode 4 fait un gros lien avec un remake de cet épisode 25, Les Amoureux de Fort, avec Aphélie, et puis dans cet épisode qui est appelé Nydia, et puis Sirius, qui était donc Nadir, le petit frère avec lequel Actarus va se retrouver traumatisé d'apprendre que c'est lui qui a tué, soi-disant, ce petit frère, et que ben, Nadia, donc Aphélie, aura, on va dire, une grosse dent contre lui, et je dirais plutôt la mâchoire. Et c'est là qu'après, on va pouvoir rentrer dans un concept qu'on rentre assez fort dans la série de Goldorak, c'est l'encéphalo-conditionnement. Ouais, de l'ancienne série, effectivement. Ouais, là, elle est introduite maintenant avec cet épisode 4, et puis c'est vrai que les forces de Vega faisaient ces encéphalo... Céphalo-conditionnement. Conditionnement, merci. afin de faire revenir des personnages de fort, en fait, combattre directement Actarus. Soit physiquement, soit uniquement que le cerveau. Et tu le disais aussi tout à l'heure, aussi des un épisode avec des animaux, justement. Et signes, particulièrement. Signes. Alors, il y en a d'autres aussi. Il y a aussi une tourterelle, l'épisode avec Atlas, où tu retrouves la tourterelle, qui fait office d'animal espion. Au final, si je ne dis pas de bêtises, mais là, on en retrouve principalement avec ces signes, l'épisode Les Signes, où ces signes sont céphalo-conditionnés et en plus porteurs, comme on retrouve dans l'épisode 4, de bombes nucléaires ou atomiques qui va justement être potentiellement utilisées comme des drones, donc ces signes, contre le centre de pression. Et on retrouve ce concept là avec le diadème de Naida qui est les céphalo-conditionnés, cette dague qui permet a priori d'être une dague, mais aussi, comme je l'ai compris, c'est pas potentiellement une grenade ou une bombe nucléaire. Et chose que je n'avais pas percutée, mais tu m'as fait la remarque, et qui est l'effet sonore. L'effet sonore. Le son, j'ai revu l'épisode 5, les Amoureux de Fort, cet après-midi, juste avant d'avoir regardé une deuxième fois cet épisode 4 de Grandizer You, et le son d'apparition de la dague est le même que dans l'animé de l'époque. Excellent comme détail. Incroyable. Et toi, tu faisais remarquer une anecdote sur la guitare d'Actarus dans cet épisode 4. Effectivement, je crois quand même qu'ils ont poussé le détail assez loin.
Actarus, on sait qu'il est joueur de guitare. Mais c'est quand même particulier de voir qu'Actarus joue avec une innovation. Donc c'est une guitare qui existe, la couleur, le design est exactement la même. Et là où c'est quand même assez fort, ou alors la reproduction sonore est vraiment, vraiment fiable. En tout cas, quand Actarus joue de l'eau avec cette guitare-là, c'est le son de ce modèle de guitare. Incroyable. Je trouve, chacun y retrouve un petit peu ses détails selon sa culture. Mais ce qui est assez plaisant avec les Japonais, que ce soit des séries anciennes jusqu'à maintenant, c'est le souci du détail. Exactement. Donc c'est quand même, c'est vraiment, il y a quelque chose qui te cible, ça va toucher chacune de personnes selon tes connaissances. Puis tu te dis, mais c'est quand même, ils ont pensé indirectement à moi. Donc en tout cas, ils s'intéressent que ce soit pas pris ça de façon superficielle ou à la rigolade. Et puis moi justement, sur ce principe de guitare, j'ai trouvé vraiment chouette. Et ce qui est particulier, il faut le faire, hein, certaines notes, certains accords joués par Actarus correspondent à la tonalité que tu jouerais réellement. Alors ça c'est fort, ouais. Il ne faut pas oublier que notre ami Steph, comme vous le savez peut-être, est un grand amateur, enfin plus qu'un amateur, hein, il a joué dans un groupe. Ouais. Hein, on avait vu tes guitares dans la vidéo de Wawa, si je ne m'abuse, pendues au mur. Hein. Et puis le générique que vous entendez dans l'émission, hein, le générique... Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Eh ben, vous avez reconnu, c'est bien lui qui chante quand on a mis le concept en place de Toy Shot Game in the Vintage. In the Vintage. Ouais, effectivement. Mais tu sais de quoi tu parles. Oui, plus ou moins. Je viens aussi vieux et c'est bien pour ça qu'on est là. L'avantage d'être vieux, c'est faire le lien entre ta génération de 1978, ouais. Je suis 73, tu es de 82, 3 8 ans, toi. De 8 ans. Donc en fait, j'ai découvert Goldorak à la télé. Je faisais partie de ces enfants-là qui étaient ce jour-là, cet été, plus vieux dans la télévision, regarder cet épisode. Et c'était un choc émotionnel. C'était l'épisode Le Sosie. Et après, en plus, un concept vu et revu à cette période-là, en 78. En tout cas, ça m'avait marqué, ça n'avait pas la sensation que c'était banal, comme on retrouve dans plusieurs de ces séries, mais vraiment aussi un épisode de qualité. Et ce soir, la particularité, d'autant plus qu'on a un expert d'Araki, quand même, c'est d'articuler justement cet épisode numéro 25. Sur le fait que ce soit Araki qui l'ait fait sur la version originale, quoi. Et je te passe la voix justement pour faire ces liens que tu nous as gentiment présentés sur ces plans comparatifs. Exactement. Pour un bref petit résumé, les épisodes 1, 2 et 3 sont inspirés par le manga Goldorak, mais cet épisode 4 est un remake de l'épisode 25 de la série originale, en fait. Et on a pu le découvrir après avoir visionné l'épisode. En fait, certains plans ont été reproduits à l'identique par rapport à l'épisode 25 de Goldorak, en fait. Et c'est vrai que lors de la première vision, il y a 3 ou 4 plans, j'étais là, oh, ils se sont totalement inspirés de Araki pour dessiner ces plans-là, en fait. Et j'ai été totalement bluffé. Actarus, je trouve aussi que dans cet épisode, il reprend un petit peu de caractère, en fait, surtout sur les gros plans. Son visage est plus torturé, il est plus travaillé et il exprime beaucoup plus avec son visage, en fait, dans cet épisode. C'est vrai, parce qu'il faut dire quand même que quand on prend la personne inspirante d'Actarus sur la première version, c'est un personnage torturé. Donc, forcément, il évolue, il passe d'un côté taciturne à un côté un petit peu plus sociable, mais il y a quand même d'énormes traumatismes. Et tu retrouves justement ces images figées qu'on voyait souvent aussi dans Cobra, ou qui marquaient un passage dans le temps avec une action qui s'était passée, souvent traumatisante, souvent avec les navettes de Vega qui attaquent justement les euphoriens, et avec cette couleur extrêmement agressive que dans certaines versions ont pu être censurées. Cependant, on commence gentiment dans ce Grandizer U à retrouver de la trame. Il n'y a pas encore ces images fixes. Cependant, on a une image quand même qui était fixe, où tu as donc Nydia et puis Duke Field et puis Sirius sur la planète. Oui, exactement. Et on retrouve aussi ce plan figé dans la version Goldorak de 1978. Cependant, tu vois qu'Actarus commence à être de plus en plus de la mélancolie, de la torture. Typiquement, quand il dit, bon, écoute, il dit à Nadia, écoute, tu m'as poignardé,
Je peux comprendre, j'entends que mon traumatisme est présent, je suis d'accord de mourir avec toi. Donc on rentre vraiment dans cette dynamisme, malgré les craintes qu'on avait d'un acteur russe un petit peu, on va dire, adolescent, teenager, on commence à ressentir de plus en plus ce remake comme quelque chose qui s'installe. Exactement. Dans cet épisode, on a aussi la dualité. Jusqu'à maintenant, il était nommé Duke Fleet, mais depuis cet épisode, il est nommé Actarus, Daisuke. Mm-hmm. Il dit « Je prends le nom d'emprunt de monsieur Procyon et tout. » Et justement, Naida lui fait la remarque « Ça ne te lavera pas de tes péchés de te faire appeler par un autre nom. Tu restes Duke Fleet et puis tu devras rendre des comptes. » En fait. C'était aussi très intéressant, très poignant. Ouais, excellent. Et c'est vrai, d'autant plus qu'il y a aussi des plans qui sont quand même impressionnants. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est la fin. Oui. Quand tu as ce vaisseau de Nadia qui se dirige... Spoil, hein. Alors, ayez regardé l'épisode. Ouais. Arrêtez là. Regardez l'épisode, il y aura des spoils parce qu'on va faire des liens. Mettez sur pause ou venez pas pleurer parce que je vous conseille d'aller regarder cet épisode une fois ou deux. Vous resterez pas sans émotion. Après, il peut varier d'une personne à l'autre selon vos connaissances. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je commence à faire des liens aussi avec la série Gundam dont tu en as parlé. Et que, effectivement, pourquoi, du comment, il n'y a pas de combat. Déjà, si c'est un remake, ça représente l'épisode 25 où il n'y a pas d'épisode de Goldorak, de façon prononcée à la fin de cet épisode. Cependant, une chose qu'on a pu m'informer Néné, ce sont ses connaissances. Pourquoi il n'y a pas encore autant d'action dans Goldorak au niveau des robots? Parce que ce sont les créateurs de Gundam. Il semblerait qu'il y ait une structure dans cette patte, dans cette façon de faire. Ah ouais, ça tu peux peut-être en parler. En tout cas, dans Gundam Seed, il faut attendre, si je me souviens bien, une vingtaine d'épisodes pour voir les pilotes avoir leur, leur scène de prise en position de leur poste de pilotage et d'avoir leur vocabulaire. Je suis prêt à décoller, on y va, le go, la passerelle. Elle dit ok, c'est parti, go, et puis décollage. Donc ils seraient inspirés, ils vont peut-être s'inspirer de ça. Alors j'espère, parce que on attend l'Actarus qui fonce prendre possession de son poste de pilotage avec une scénique particulière qui te fasse hérisser les poils avec une musique qui part très fort. Ouais, et tout. Autant à l'époque, elle était systématique. Systématique, voire des fois très, trop présente. Et puis tandis que là, elle est pour l'instant inexistante. Alors, donc j'espère qu'on trouvera un compromis entre les deux. À l'époque, c'était économie de soins. Oui, voilà. Et là, ils ont les moyens. On a 12 épisodes. S'ils nous laissent le meilleur pour la fin et que ça va crescendo, ok. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente de promesses et on attend les promesses. Effectivement. Mais comme il commence à avoir chaud, je fais juste une petite interruption. Ouais, non mais c'est ça. Désolé, il fait chaud dans mon local. Notre hydratation, c'est important. Exactement. Vous voyez que les Valaisans, ils apprécient l'eau. Il est obligé, parce qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, mais on a donné une quand même, il était gentil, il a dit, il est obligé, parce que sinon... En regardant... C'est des vieilles. C'est en plus ça, non mais... C'est des vieilles. Tu sais, quand il te dit que c'est vintage, lui, il va jusqu'au bout. Bah voilà, voilà. C'est ce que j'ai reçu d'ailleurs, je remercie, Aigné, quand on a fait Retromania, ils nous ont donné plein de petites bouteilles comme ça. Qui devait aller aux bénévoles et tout entrepreneurs. On les a un peu oubliées, certaines du moins. Et donc, du coup, on en hérite. C'est-il pas beau? Pour la petite anecdote. Non, mais la dernière fois que je lui ai demandé, il m'a donné de l'eau en poudre à diluer avec de l'eau. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Mais c'est Yvan, c'est comme ça. Donc, pour revenir à cette série, maintenant que vous l'avez vue, puis que vous remettez play maintenant, il y aura un certain nombre de spoils. Et pour ma part, effectivement, tu parles qu'il y a 12 épisodes, Néné. C'est un petit peu ma frustration et ma crainte dans le sens qu'on va vite. On va très, très, très vite. Alors, c'est rushé, effectivement. Ouais, effectivement. Là, on a un remake. On est à l'épisode 4. C'est un remake de la série originale de l'épisode 25. Ouais. Donc, voilà. Sachant que la série originale contient 74 épisodes. Ce qui veut dire, mettez sur pause, sinon on n'est pas pleuré. Il semblerait qu'au vu des rushs qu'il y a, eh ben, Phénicia sera le prochain personnage de l'épisode 5 de vendredi. Exact. Et on la voit, gamine, dans la série. Il y a juste un plan. Puis après, la fin du générique de fin, et ben forcément, il y a l'annonce que Phénicia va arriver. Il faut dire que dans la série d'origine,
C'est pas très clair. Il semblerait que Phénicia est sur Terre depuis un certain laps de temps, ramené par son précepteur. Ouais. Donc j'entends que c'est un tuteur. Exactement, je pense aussi. Et qu'elle a aussi ce sentiment de. On retrouve un peu ces trames-là, ce sentiment de vengeance contre Acturus. Et puis qu'on retrouve un petit peu la même similarité qu'on a eue ce soir avec Aphélie. Ouais, totalement. Donc je viens, t'es mon frère, mais t'as détruit ma planète. Donc on est toujours sur cette trame. De vengeance, de mensonges et de désinformation. Désinformation, c'est juste. Et je trouve que le remake est bien fait. Et si on a parlé un petit peu de l'épisode 4, il y a quand même quelque chose qui est assez particulier. C'est que si vous regardez le générique, il y a quand même un Mazinger qui est un peu plus badass que le Mazinger du premier épisode. Et Alcor, à contrario de son instar de Vénusia, qui a reçu son sang, dans la première série, cette fois c'est Alcor. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend que ce robot qu'on voit générique va-t-il apparaître un peu plus badass? Alcor sera peut-être augmenté. On n'en sait rien. Actarus va-t-il se greffer pour aider à Alcor ou pas? Cependant, tout ce qu'on sait, c'est que le Grandizer, il avait été plus ou moins bloqué sur cette île au Japon dans l'épisode 3. Ouais. Avec ce côté un peu mystique qu'on retrouve avec une. Sans doute peut-être les connaisseurs, et toi tu es un connaisseur, la statue, ou bien en tout cas le portail, il est plus en lien avec un Guetta robot qu'un Grandizer. Moi ça m'a marqué ça. Le profil avec les cornes qui partent un petit peu dans tous les sens, ouais. c'est effectivement typique du Guetta Dragoon, mais j'ai plus l'impression que c'est plus le profil de la divinité qui est vénérée en fait sur l'île qu'on voit dans le manga en fait. Ok. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on reconnaît sur les trois stèles qui sont devant lui, l'Alcorac, le Vénusiac et le Fossoirac, qui sont sur des petites stèles devant et on devine leur forme. Maintenant, d'où ils viendront? Est-ce que c'est des plans? Ouais. Est-ce que Procyon va suivre les plans pour les fabriquer? Ouais. Ou est-ce qu'ils sont simplement planqués sous terre? Et qu'il y aurait un autre robot, un autre Goldorak, entre parenthèses, qui soit caché sur Terre. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on retrouve cette patte avec Mazinkaiser. Oui, exact. Où on avait le Mazinger augmenté, donc une version 2.0. Peut-être on peut retrouver la même chose avec Grandizer à travers cette île. Et puis pourquoi pas que c'est Spacer rentrerait dans ce concept-là, parce qu'il faut savoir que la version française, la première version, c'était une construction humaine, comme je l'interprète. De Procyon, en s'inspirant des matériaux, de la technologie qu'il a vu sur le Goldorak, en fait. Ouais. Exactement. Et il a été jusqu'au Cosmorak, et l'Aquarak. Tu te souviens de l'Aquarak? Oui, je me souviens de l'Aquarak. Ouais. Oh là 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 là. Ben, moi, je me souviens plus. Je me souviens des noms, mais c'était déjà quoi? Ils utilisaient que. Comme Goldorak était péjoré en profondeur, ouais. Il pouvait aller à une certaine profondeur, mais pas plus que tant. Avec le Vénusiac, je crois qu'il pouvait aller à une certaine profondeur, mais il fallait qu'il atteigne une profondeur encore plus basse. Puis là, c'est qui pilotait alors, par exemple, l'Aquarak? C'est Goldorak qui pilotait l'Aquarak, mais Actarus pilotait le Goldorak qui pilotait l'Aquarak. D'accord. Et si je ne dis pas de bêtises, l'Aquarak était prisonnier à des profondeurs. Oui, j'avais oublié, ouais. Et l'Aquarak avait pu pénétrer à cette profondeur-là, puisque... Vu que maintenant c'est un petit peu la mode, on parle pas mal d'extraterrestres qui viennent non seulement de la Lune, de l'espace, mais aussi qu'il y en aurait dans les eaux. Donc en fait, on retrouve ce concept d'extraterrestre et puis de base sous-marine qui me semble plausible tout à fait. Et Goldorak avait pris cet aquarak construit par l'humain, comme je l'entends, pour aller chercher Alcor, qui était le faire-valoir d'Actarus, qui semble, qui était toujours dans des problématiques. Que ce soit que ça n'avait cette petite UFO. L'Ovetter, là. Voilà. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une complémentarité entre les deux personnages. Au stade où on en est. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, ces deux persos. Moi, je pense qu'il est beaucoup moins en retrait dans la série originale. Il est beaucoup plus présent, non seulement affectif pour Actarus qu'au niveau combat. On a très bien vu dans l'épisode 1 à quel point il donne le meilleur du Mazinger Z pour pouvoir... péter un Golgoth, j'avais adoré cette scène. Hein. Mais ouais, là, maintenant, est-ce que ça va être un deuxième Goldorak? Est-ce qu'un Mazinger Z amélioré ou, soyons fous, un Mazinkaiser carrément, hein? Ah ouais, c'est vrai. Après, on n'en sait pas trop comment ça... Bon, on a déjà la chance qu'on arrive à suivre approximativement les 48 heures d'écart et puis un épisode toutes les semaines. Oui. Donc au final,
tout ça va relativement assez vite dans le fait qu'on puisse recevoir ces épisodes. Et puis de suivre un tout petit peu comment tout ça va évoluer. Cependant, il reste des personnages à intégrer. Déjà Ikaru, donc Venusia. Venusia, ouais. Qui est la mystique. Uh-huh. Et qui, pour moi, me paraît... je ne sais pas trop quoi en penser. Dans le sens qu'on avait une Venusia dans la première version un peu introvertie, un peu timide, uh-huh. un peu naïve sur les bords. Et là, on retrouve plutôt alors un personnage qui semble être assumé, un peu sombre, un peu mystique. Disons qu'on a plus tellement le même trait de caractère qu'on avait dans la série d'origine. Donc du coup, de quoi nous attendre avec Phénicia ? Bah, avec Phénicia, bah, j'espère qu'ils vont garder son côté garçon manqué, rentre dedans. Moi, c'était, je dois dire, jusqu'à maintenant, j'ai été hyper souple avec Goldorak U. Mais si je retrouve pas ma Phénicia d'époque, je risque de virer. Ah non, tout compte fait. Moi, il me faut une course à moto avec Alcor. Hein. Ouais. Pour savoir qui c'est la plus grande. Hein. Puis roue contre roue. Ah, puis roue contre roue, ouais. Ça. Avec une falaise. Voilà. Le... Oh là là. Vous faites allusion à moi, ça je m'en souviens pas. C'était une des premières fois qu'ils se voient et puis c'était ça. Ouais, de 2-3 épisodes en fait. Okay. Une fois que Phénicia est arrivée. Alcor, il est en compétition non-stop avec elle pour tout, sport, okay. pilotage. Bah, d'ailleurs, elle lui pique l'alcorac pour se faire la main. Paysan. Mais oui, c'est ça, paysan. C'est Manon. Non, elle n'arrêtait pas de l'envoyer des fions. Et puis Alcor, il fallait qu'il réponde, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, on a vraiment ces deux forts caractères, un peu extravertis, surtout sur Phénicia. Mais c'est vraiment la nana qui veut démontrer sa noblesse, son trait de caractère, son côté garçon manqué. Et ses capacités, hein. Justement, et puis elle se met en concurrence assez rapide avec Alcor, avec lequel, jusqu'à présent, alors ils y vont toutes les théories. Cependant, il est quand même difficile de ne pas ressentir l'affection qu'elle a pour Alcor. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on va retrouver pour à travers. Et puis qu'il y aura, il y aura un trio, comme tu l'avais avec dit dans Sayaka, ouais. Ouais. Le personnage qui est dans Mazinger, donc mm-hmm. le personnage féminin qui devrait piloter l'Alcorak. Moi, je pense que c'est Sayaka, donc l'acolyte de Alcor, qui va piloter l'Alcorak et non pas Alcor. Mmh, moi, je pense. Hein, vu le générique comme il est présenté. Mais du coup, je ne vois pas Alcor inactif pendant tout de la série. Donc, il va se passer un truc. Je permets de vous demander, parce que là, vous parlez avant du générique. Puis là, avant, tu disais, Steph, dans le générique que j'ai vu aujourd'hui, on voit Mazinger peut-être plus évolué, etc. Est-ce que ça veut dire que le générique... n'est pas le même à chaque épisode. Moi, j'ai pas fait attention. Il est déjà le même à l'épisode 1. À ne pas confondre entre les openings et puis les endings. Ah ouais. À mon sens, les openings sont souvent les mêmes, sauf si tu changes de saison. Ouais. Et puis dans l'opening, tu vois dans l'image de pause de la dernière seconde avant d'introduire l'épisode, que tu as toutes les machines. Mm-hmm. Et il y a. Joli, ouais. Et il y a Mazinger. J'ai un peu de peine à m'imaginer que tu places le Mazinger là de façon valorisante pour qu'il soit juste présenté au début de la série mm-hmm. et puis qu'elle soit mm-hmm. détruite, sachant que tu peux reconstruire le Mazinger en conservant la tête. Du coup, c'est toi qui l'avais dit. Oui, exact. Tant que la tête est valide, c'est bon. Hein, exactement. Et puis du coup, d'autant plus que c'est un personnage qui est quand même hyper connu. Je serais très étonné qu'il passe à la trappe aussi rapidement. Donc, je ne sais pas comment les choses... vont évoluer, mais tu le retrouves dans l'opening qui est, à mon sens, toujours le même. Ouais. Comme dans Goldorak ou quand tu changes de saison. Par contre, les endings peuvent changer selon pour tenir le téléspectateur encore un petit bout. Et cet ending, dans cet épisode 4, pour moi, je l'ai trouvé magnifique. Banger. Ouais, gros, franchement. Gros banger. Il est incroyable. Il te prend aux tripes. Et non, c'est bien. On retrouve la navette de Goldorak qui s'en va vers le lointain, mais c'est un soleil couchant ou en tout cas il y a peut-être la bombe qui a pu péter ou ça fait en tout cas cette aura. Et dans la version d'origine, on retrouve la même image mais avec une écriture en fumée qui est potentiellement doit être l'écriture de Fort. Donc très semblable. Hein. Ouais. Ouais. Et là on la retrouve pas. Cependant, il y a des petits détails qui changent un petit peu. Mais vous avez, je sais pas comment, tu nous as sorti 13 ou 14 plans identiques. Ouais, identiques, vraiment, vraiment identiques par rapport à l'épisode original. Ça, c'est quelque chose que tu as retrouvé dans un groupe Oui, des groupes de fans italiens de Goldorak. Ah, d'Italie, ouais. Qui ont été postés
le soir même ou la matinée après la diffusion de l'épisode. En fait. Parce que Steph, toi, tu m'avais envoyé, parce que c'est sympa aussi de pouvoir dire aux autres aussi, un très bon groupe, là, où j'ai regardé, ça s'appelle Goldorak Attitude ou quelque chose comme ça, un groupe Facebook. Ouais, Goldorak Attitude. C'est bien, hein. Il y en a tout plein. Mais c'est vrai que ce groupe, il est sympathique. Et, il y a des connaisseurs à voir. Hein. Oui, c'est pour ça que il est quand même, c'est quand même moyen d'enterrer une série en disant que c'est complètement différent. ばかりに私たちは